Salut, salut, c'est Laetitia Trio. Aujourd'hui, je te parle de quelque chose d'important. Ça sera peut-être un peu plus long que d'habitude. J'aimerais te parler de sexe. Eh oui, parce que la sexualité, c'est important dans le couple, c'est un des ciments du couple. Malheureusement, la sexualité, ça se passe pas toujours sur des roulettes. Parfois, ça grince. Et surtout, parfois, on se pose la question de c'est normal, est-ce que c'est pas normal, et comment on fait, et nanana, 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 et plein de questions, et à qui je vais en parler, parce qu'on n'ose pas toujours parler de sexualité, c'est un petit peu tabou, on touche la zone intime, et je me rends même compte que la plupart du temps, les couples eux-mêmes, entre eux, parlent assez peu de leur sexualité, et ça, c'est compliqué, parce que si je ne sais pas comment tu fonctionnes, et que tu ne sais pas comment je fonctionne, comment on fait pour que ensemble on puisse avoir une sexualité harmonieuse? Eh bien, c'est compliqué, on ne va pas y arriver. Donc, quand il y a des difficultés d'un point de vue sexualité, le plus important, c'est de communiquer. Et communiquer, c'est ce qu'il y a de plus important dans le couple, quel que soit le domaine concerné. Alors, si tu as des difficultés au niveau de ta sexualité, que cela touche la libido, que cela touche le désir, que cela touche les pratiques, que cela touche des problèmes physiologiques ou autres, le plus important, c'est de communiquer. Et parfois, ce n'est pas évident de pouvoir entendre l'autre, que l'autre puisse nous entendre. Et c'est là que les accompagnements de couple prennent leur place. Pourquoi? Parce que le professionnel qui a l'habitude de faire des accompagnements de couple sera là pour faire le relais et le transcripteur parfois de ce qui a été dit par l'un ou par l'autre. Et de par le nombre d'accompagnements que l'accompagnateur a pu faire, eh bien, il a l'habitude de dire les choses de plein de manières différentes, ce qui fera que il trouvera la manière de le faire entendre ou comprendre de l'autre. Donc si tu rencontres ce type de difficulté, n'hésite pas à demander un accompagnement. Tu retrouveras les infos nécessaires en bas dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, like-la. Si tu souhaites avoir d'autres astuces ou d'autres capsules concernant le couple et la sexualité, pense à t'abonner. Et surtout, si tu penses avoir un ami ou une amie que cela peut aider, partage-lui la vidéo. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Bye bye!